Globulusur, Benzaï Live, mamie a perdu son cheval car les gens ont donné 2000 euros pour Handicap International. Et en plus, les gens ont retweeté en masse pour, eh bien, repartir avec une PS4, recevoir chez eux une collector PS4 de Elden Ring. Ce qui veut dire que mamie, là, si elle veut se taper le boss... Honnêtement, je crois que je suis dans le rouge là, mais bon, quand faut y aller, faut y aller. Merci beaucoup, Tontin. Mais bon, du coup, si mamie veut tryhard ce boss désormais, elle va devoir s'y mettre à pied. Elle est handicapée du cheval. Ça vous paraît pénible ? Imaginez ce que c'est de se trimballer en ville, dans Paris... Oh, les poils de mémé, on les voit bien là. Ne serait-ce qu'en fauteuil. C'est un hareng. Bah, ça en fait de la lumière, cette saloperie. Hein. Donc voilà, c'était magnifique. J'aimerais au moins faire un vrai try cheval, quoi. C'est un hareng. Ah oui, pardon, j'ai pas mis du coup le hashtag. No horse. Petit don pour Handicap International. Merci beaucoup Benzaïe, tes lives me remontent le moral en ce moment. Ah merci Xionéville. Vous êtes des héros. J'aimerais quand même faire un vrai try sans cheval. Ah le boss lui m'a first try à chaque fois. Hein. Non, il prend pas moins de dégâts avec cette arme, hein, t'inquiète. C'est l'arme qui lui fait le plus de dégâts que j'ai là. Ma cape, on l'a eu il y a pas longtemps, hein. J'ai la même en rouge cela dit. Mais vous voyez la violence du jeu, bordel! Merci Bloodvine! C'est infernal! Enfin, c'est fou, quoi! En plus, on a été à ça deux fois, il était à notre merci, hein! Et non, c'est pas si vous me donnez 10 000 euros, je remets le cheval en fait. Ça marche pas comme ça le handicap. Je peux pas choisir de te soustraire. Je peux pas faire semblant d'avoir un handicap juste comme ça pour rigoler. Justement. C'est pas genre, oh non, ça me saoule. C'est justement parce que ça te frustre. Que c'en est un. Merci Faux Gamer. Oh punaise. Ah mais il est sur... Ah non, il est sur tout le monde. Ah, je courais, j'ai quand même pris cher. Hein. Mais infernal. J'oublie que l'ouvrir, c'est dur, quoi.
C'est un déjà le meilleur SS en cheval. Merci H-Live. Donc, on va arrêter de défoncer ce boss. On va faire autre chose. On va prendre notre épée d'amour et notre marteau d'amour. On a une arbalète d'amour aussi, mais on peut prendre de la magie d'amour. Et on va se téléporter. Vous pouvez voir, le truc est derrière là. Ah oui, parce qu'en fait c'était vers là. Ça, c'était le dernier point de sauvegarde qu'on avait débloqué. Du coup, on va reprendre un peu l'exploration. Tenez-vous, là, il y avait une main géante. Bon, les âmes, hein, c'est un lointain souvenir hein, de quand on en avait. Ça, c'est quoi? L'enfer, ce truc. Par contre, la dernière fois, elle s'était prise dans le feu. Ah, merde. Mais quel cauchemar! Oh là, le doigt qui pue. C'est quoi, c'est une invoque? Qu'est-ce qu'elle a fait? Oh non, elle est pas morte! Ah si, c'est bon. Ah, elle me donne même pas sa bagouze! Quel enfer! Bon, au moins, on peut continuer. Youpi. Vraiment génial. Hein. Attends, mais là, le truc, ça me dit pas que c'est par là. Ni par là-bas, d'ailleurs. Du coup, il y a quoi par ici? On est vraiment passé à cheval. Alors là, du coup, on n'a plus de cheval. Hein. Ah, là, visiblement, on va pouvoir invoquer des gens, donc on va se faire défoncer. Mamie joue sans armure. À une seule main et sans cheval. Et du coup, est vraiment Dark Souls Open World désormais. J'ai le droit devant mes objets précieux. Oh, objets précieux. Monstruosité droit devant. Eh ben, très bien. Par contre, me faites pas jouer sans cette arme, s'il vous plaît. Quelle immondice du cul! Si je tourne autour. Oh là là, cette tête d'asticot! Je le loupe, quoi. Il essaie de me mettre instant death là, le truc qui pue. Ah, il va nous parler toute la journée. Oh!
Il me refile des glaires. Oh non, elle est pas. C'est bien les hitbox toutes pétées là. 20 sur 20 ton jeu de merde. Non, non, mais je me casse n'importe quoi. Oh, qu'est-ce que c'est que cet enfer? Ah, mais là, je peux invoquer. Merci. Minos! Ah, il lui tire dessus. Donc là, je pense que c'est, une fois que c'est rempli, c'est instant death. Hein. C'est la mort en espagnol. On peut rien foutre, quoi. Ah putain, il décale. Il a un spasme, mais après il tape. Bien sûr, il a droit à un dash avant, quoi. Alors je me mets totalement dans la putrée, dans la mort en espagnol. Il va vomir. C'est comme si c'était pas assez dégueulasse comme ça. Du coup, t'as pas envie qu'il te touche, mais il te vomit dessus. Oh Minos, oh Minos, oh Minos, oh Minos. Fais-moi l'amour. Petite larme larvaire. C'est vrai, j'en ai plusieurs, mais je sais toujours pas ce que c'est. Hein. Je sais toujours pas à quoi ça sert. Ah mais si, attends, les larmes, normalement, c'est pour ça. Hein. À Renala pour accorder une renaissance. Mais étant donné que je l'ai jamais vu... Attendez, il y a un Chibrax en plus... Gratuit. Il est là. Attendez. Attendez, monsieur. C'était un mob, le tentacule. Ça sert à redistribuer des points de compétences. Ouais, mais je sais même pas à qui. Mais peut-être Renata, je l'ai zappé. Lui, c'est la méduse. Lui, c'est méduse. Hein. Méduse, et en plus, j'ai un marteau de fer. Alors, par contre, on va peut-être se prendre des potions de soin. Apparemment, il y a un objet précieux, mais je pense que c'est une graine dorée parce que c'est ce que donnent les Chibrax. Quoique, hein, celui du premier donjon, il donne autre chose. Putain, regarde, j'ai vu MV le faire. Bon, après, MV a réussi à le faire bugger dans un mur, et du coup, même s'il avait la strat, il a pas eu besoin de. Ça s'est bien passé derrière. Hein. Ça m'est jamais arrivé, quoi. Ah non, mais c'est bon. Hein. Ah, mais l'octopussy ne revient pas. Méduse! Zébubé! Non, mais le try d'MV est abusé. Enfin, c'est genre, c'est même pas le vrai jeu. Méduse, c'est même pas où est le jeu, quoi. Je veux juste. Ah là, ça c'était la shop spé ça. Je veux juste que la méduse prenne l'aggro. C'est pas ouf hein.
cette méduse. Oh oui, oh oui. Mais non, mais regarde, là, tu vois, il foire exprès, putain, quel mongol. Oh putain, la roulade pour éviter la chop spé. La méduse qui tanque le sortilège. Alors ça par contre, je sais pas ce qu'on fait. Hein. Yoga. Yoga. Ah bah non mais là j'avais plus de stamina pour sauter. Bah on le met mid life. Il est énervé. Hein. Quelle nouvelle arme, Yoshi ? Celle-ci, là, oui, bien sûr, on a regardé. On peut essayer avec celle-ci, hein. Il y a moyen de faire beaucoup de dégâts avec et de se buffer, quoi. La méduse, hein, est invincible, hein. Franchement. Est-ce que j'aurais looté des dagues, mon cher Yoshi ? L'avantage, c'est que Minos, lui, va tirer de loin. Bon, par contre, là, les buffs, c'est trop, hein. Ça l'a rien fait, putain. Tout à l'heure on a survécu à ça. D'accord, que fait un genre de dégâts sacrés, enfin je ne sais pas. Voilà, phase 2, on est trop en chips, quoi. Je sais pas ce que j'ai. Sans armure pour résistance au sacré. Techniquement, ça, c'est un peu mieux, mais de toute façon, j'aurais pas grand chose de mieux. Techniquement, là, tout ce que j'ai, c'est une bonne résistance au sacré. Hein. C'est juste qu'on n'a pas d'armure pour parfaire ce magnifique. Si, là, j'ai un 3. Ça va pas chier loin, quoi. Après, on fait des dégâts. Hein. Pas le problème. Est-ce qu'on méduse ? Là, le problème, c'était pas la méduse, hein. Clairement. Oh, ce bout là, mémé, dans sa culotte. Enfin, dans son pantalon. Non, c'est une sans-culotte. Ah, Wanabe qui donne. C'est un rang. 28 subs. Il va falloir passer cet homme à. C'est un rang. Tout de suite VIP, bien sûr, pour ne pas oublier. Bon, rappelons, hein. Qu'on est quand même là. C'est un rang. Au profit d'Handicap International.
Vous avez déjà donné 2000 euros, ce qui est génial. Oh, si on ratteint les 3000 euros, c'est un autre handicap pour mémé et ce serait, je pense, Estus full mana. Donc on ne se soignerait plus qu'avec des sorts de soins. On veut dire que on va galérer. Hein. J'ai que de la merde. Oui, d'accord, il fonce sur Jean-Michel, quoi. Oh putain. Ah, mais non, mais d'habitude, on a le temps d'aller sur le côté. Tu vois, là, t'as le temps, là. Oh putain, mais là, c'est brouillon à ce fuck, quoi. Des fois, l'ouverture sur des boss, quoi, c'est vraiment pas la misère, quoi. Alors, mon cher Tamo, quels sont les premiers handicaps? Un indice s'affiche sur ton écran. Je te laisse observer l'image qui est devant toi. C'est un hareng. Donc, on accueille tous ces harengs. C'est un hareng. Vous avez raté les 500 morts, vous pouvez toujours retweeter mon dernier tweet actuel qui met en avant Battlefort et vous aurez une chance de gagner la collector PS4. Vous êtes sub, vous aurez deux chances. Parce que tous les subs seront préinscrits. C'est un hareng. Il y a trop de buffs à l'écran, c'est n'importe quoi cette histoire. Merde, putain, le chiasse. Je me soigne quand même parce que... Putain, mais il va où comme ça, quoi? Il faut que j'aille au bout du monde pour l'attaquer, quoi. C'est infernal. Je commence à me dire qu'il est plus facile dans une petite arène, quoi. On l'avait beaucoup bien mieux tryhardé tout à l'heure, quoi. Allez, alors ça. Bah, si on prend qu'un coup, c'est bon. Qu'est-ce qui tank Minos, bordel. Il peut jouer tout seul, hein. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a éternué là! J'ai pris une crotte de nez! Ah, il le refait! Oh, c'est infernal! C'est un hareng. C'est un hareng. Là, c'est pas les dégâts qui manquent, hein. C'est vraiment son explosion de sacré et sa phase de débile là. J'aurais un bouclier, je pourrais encaisser des gros coups. Et là, je peux même pas parer en fait. Quand je pars, ça donne un coup de poing. Hein. C'est un hareng. Alors, attendez. Quand je fais Minotaur, puis mon buff, ça passe. Par contre, quand je fais buff, c'est un hareng. Puis Minotaur, il faut que je recharge mes mana. Ok, d'accord. Très bien. Là, je vais faire le grand tour, là. C'est un hareng.
J'ai réussi à rendre stylé des sylvains, quoi. Oh non, 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 la chope, putain! On se la prend plus d'habitude! Oh là là! Bon ben, let's go alors. Merci beaucoup, Wannabe. Ouah, 1000 balles! Wannabe, le héros! On continue. Ouah, Jojo! Le héros également, il n'y a pas de raison, mais 1000 balles! Mais allez, 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 j'ai chose promise, chose due. On va souffrir. Hein. Nos fioles. On va dire nos estus. Comme ça. J'ai rajouté mon 13. Oh là 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 là. Là vous faites plaisir. Merci beaucoup Wannabe. La double sauce. Donc maintenant, autre handicap pour mamie. Il va finir à pouvoir. Je sais pas ce qu'on va faire dans le jeu. Là maintenant les soins, ce sera. Du coup j'ai intérêt à me prendre un sort de soins. Ah mais il faut 12 de fois pour atteindre le truc. Ah je sais ce qu'on va faire. Je sais ce qu'on va faire. On va se mettre le soin mineur là, le soin d'urgence là. Vous allez voir. Sort mémorisé, ok. Et du coup les fioles maintenant, les fioles seront full mana. Donc, par contre, j'ai le droit de. La personne m'en l'interdit. Que je voulais faire. Mais si, j'ai. Oui, voilà, j'ai besoin de mon truc qui augmente la foi. Voilà. C'est ça que je voulais faire. Comme ça, je peux faire mon sort de soin. J'ai un sort qui remet des PV sur la longueur. Ça ne nous empêche pas d'essayer, hein. On l'a testé, Yoshi, l'éventail à serrer. T'es parti chier ou je sais pas quoi. On l'a fait, je l'ai montré en stream. Mon Dieu. C'est pas de la faute du streamer si tu t'absentes. Du coup... Pourquoi j'ai déjà perdu des PV? Ça va être très pénible, hein. Va falloir apprendre à bien jouer. Oh non, j'ai sauté dans sa bouche. Oh, putain, le timing il est tellement genre. La fenêtre elle est petite, hein. Oh mais ok. Le timing est très serré, on se refait quelques tries. En attendant, oui là c'est là. Tac. Et puis même ici là. Pas comme si on avait fini. Hein. Et je trouve que c'est des handicaps plus rigolos que. Il y a quand même un espoir. Hein.
C'est dans le cas plus rigolo que de jouer avec la manette inversée, les conneries comme ça. Mais si, j'ai des sorts de soins, vous avez pas vu? Tenter de choper le... Putain mais je fais rien quoi. C'est Minos qui fait tout le truc. Là, j'ai toujours pas touché. Voilà, et là, on a le bon timing. Je vous dis qu'il y a de l'espoir, il y a de l'espoir, merde! Et par contre, il va irradier là. Si pas content. Putain, le lock quoi! Enfin, c'est merde, c'est pas en option! Putain, je fais rien du tout. Je n'aide pas le. Je n'aide pas mon avocat. Oh non, 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 ça se passait bien, putain. Oh là là, on aide notre invocation, on meurt quoi. C'est nul. Ça sert à rien. Minos peut jouer tout seul. Non mais c'est simple hein. On va rajouter ça. On va prendre des flèches de feu. Non. J'ai des carreaux de feu. Oui. Dégâts de feu. Plus explosifs. Let's go. Ah bon, par contre, on va devoir composer avec 3 trucs différents, quoi. Genre, il faut mettre 12 buffs avant de commencer le combat. Vous avez vu comment... Enfin, en vrai, Elden Ring, c'est pas une question de level ou quoi, hein. Tu peux tout compenser par la rigueur, hein. Tu peux compenser par certains levels, mais tu peux compenser par la rigueur ou par la marouflance. C'est le jeu, c'est ta vie, quoi. Enfin, tu fais ton truc. Bien de les sortir sur la phase 2 quand même. Parce que là, je prends un peu la nouille. Oh là là! Alors, si on passe pas la phase 1, nature, est-ce qu'on est vraiment en train de jouer au jeu quoi? La shop spé. Oh là là, le coup de patte.
Oh oui, putain, ça la cancel, ça c'est magnifique. Bim. Bam. Du coup, il a toujours pas activé son truc. Oh oui, le même bug qu'MV. Est-ce que c'est le même bug qu'MV? Oh là là, si tu le cancel son cast, il sert plus à rien. Je mets toutes mes flèches rares, hein. J'en ai rien à foutre. Hein. Merde! Oh non! C'est pas le même bug qu'MV! Je suis dégoûté de la vie! Je lui ai donné toutes mes flèches! De feu, j'ai plus rien. Mais si, elles font putréfaction. Hein. On va mettre des flèches de merde. Vous pensez que c'est parce que j'ai avancé un petit peu que ça a défoncé la RNG? Je sais pas. Ce qui me semble que MV, le truc, c'était réveillé, avait fait son attaque, et après, t'es redevenu mongol, quoi. Et du coup, j'étais super dégoûté, quoi. Il a attendu d'être à 10%, c'est vraiment un connard. Mais vous voyez, genre on fait des meilleurs tries avec juste les fioles de soins, quoi. C'est... Ça devrait vous inspirer, quoi. Plus que de dire, genre, je crois que t'as pas de level. Il n'y a pas de level, en fait, dans le jeu. C'est un miroir. Enfin, c'est une feinte. Une feinte et level dans le jeu. Mon sort qui me buff les soins. Mais non, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais pourquoi j'ai arrêté de marcher? J'ai oublié de faire mon buff de soins et je sais pas pourquoi mon perso il a buté sur un caillou, quoi. Vous voulez poster des clips, postez-les sur Twitter. Et taguez-moi. Attends, mais vitalité bestiale, j'ai vraiment l'impression que le sort, il est infini, quoi. Pendant une certaine durée. Ah non, il vaut mieux que je le fasse au début, quoi. Moi, le buff de l'épée, je sais pas quand est-ce que je le perds, en fait.
acheter la shop spé sur... Et à chaque fois, ma bubule, je la perds d'une façon très très conne. Hein. Bon, c'est magnifique parce qu'on sait pas ce qui se passe. Ah, faut quand même le voir venir. Hein. J'ai pas vu ce qu'il faisait. Putain, c'est de la merde, mes soins. Il a changé. C'est peu, mais une grosse pensée quand même. Émoticône souriant. Vas-y, Minos. Putain, mais non, mais recule, toi. Oh, la shop spé qui a failli passer. Alors, merci Slides. L'arme solidifiée grise et l'arme secrète céruléenne. Alors, du coup, pourquoi c'était sans espoir, messieurs, dames? On l'a fait sans astuce, sans bouclier, à une seule main, sans cheval, sans armure. Bon, Minos qui l'a fait, mais on l'a fait. Moi, j'étais comme ça. Ah mais c'est le héros Minos, le jeu s'appelle Minos Aventure. Hein. Moi je suis qu'un messager finalement. Prochain palier sans Minos, non ça suffit. On se calme, c'est pas possible. Et du coup apparemment j'ai un... Améliore temporairement l'équilibre, ok. Non mais ça là. Non mais d'ignorer toute consommation de PC. Ok. Non mais ça c'est le meilleur buff pour moi. C'est vraiment... On va aller au bout, hein.
Oh là là, on l'a tué. Oh oui, oh putain, que c'est bien. Donner raison aux gens. Donner tort aux gens, oui. Une vie que pour ça. Ah bah là, du coup, j'ai intérêt à voir mes trucs. Hein. Qu'il y avait un t-shirt avec en mode salle de muscu Minos Gym là, je le prendrais. Hein. On est à presque 50 heures de jeu, mine de rien. Hein. On doit s'en approcher. Hein. Ah ouais, bah, on a même dépassé les 50 heures. 50 heures de Elden Ring! C'est deux fois plus long qu'une première run de Demon's Souls, quoi. Et on a tué qu'un seul démon majeur. Non, mais c'est le jeu du tryhard, hein. C'est, tant que tu n'es Ketsu, tu peux t'en sortir. Hein. Ah, si je dépense pas de mana, non, mais je pense pas que mon total de mana soit. Enfin, il faudrait vraiment que j'augmente mon total de mana, ça c'est sûr. Mais du coup, attends, parce que j'ai combien de PC de base? J'en ai 77. Je crois qu'il en faut 84 pour Jean Michemuche. Ah putain, j'y suis allé à l'envers. 95, ah ouais, pff, oh là là, il faut au moins que je mette 3 levels d'intelligence, quoi. On va se balader avec la bubule, hein, parce que, mine de rien... Il faut bien y avoir derrière tous ces connards. Minos, occupe-t'en. Il titube ce fils de pute! Merci lui. Merde, j'ai pas vu lui. Ah, le home de soldat pantin, ça c'est cool. Ah oui, c'est vrai qu'on était jamais allé de l'autre côté de ce truc là. Attends, mais le donjon, c'est ce truc. Il est dans le volcan. Et du coup, comment on y va? Ça me remet des PV à quel stade? C'est pas terrible, hein. Franchement, c'est pas ouf. Hein. Bon, tu te rends compte que t'es le navi de Minos, quoi. Mais il y a l'autre là avec son putain de hachoir là qui va nous casser les couilles. Ah, attendez, j'ai pas dépensé l'argent. On va pas du tout aller là. Hop, 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 hop. Ouais, mais le talisman qui soigne, je peux pas l'utiliser si j'ai pas. Mais en soi, c'est vrai que le talisman qui soigne, il fait à peu près autant. Ce sort de soin, hein, donc au pire on va le prendre lui. Vous avez raison. Autant être sur sort de soin. Il
Pour 20 000, ouais, bah attendez. Ah mais non, mais je vais pas pouvoir utiliser, je vais pas pouvoir éviter, je vais pas pouvoir faire ma strat du boulet. Mais oui, je peux pas faire la strat du boulet. Attends, la main elle revient à chaque fois. Ah oui. On peut peut-être la retaper. Attends, son doigt là c'est quoi? Ah oui d'accord. Tu veux pas qu'on joue en fait? Putain! Je dirais que je la retue un coup. Et je pense qu'après on peut, je peux level up quoi. Alors en fait là où on s'était fait envahir par un NPC avec les chiens, c'était exactement là où j'étais tout à l'heure et que j'ai rebroussé chemin là. C'était juste en bas en fait, on a rejoint. C'était du coup tout à fait, mais un petit peu quand même. Saloperie quoi. Oh non 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 putain. Oh là là, elles sont horribles. J'ai l'impression d'avoir zappé deux noirs là. Les gens qui ont fait gaffe. Oh là là, son vieux sort qui pue du cul là. Voilà. Putain, on dit à chaque fois. Ah, les 6 stressantes. Oh non, elle m'a pas. Oh putain, elle nous a pas fait Allez. On va le mettre ce level. Saloperie. Si j'augmente de l'intelligence, ça me donne. Pas de PC en plus. Si je demande mon esprit, ça me donne 3 PC en plus, quoi. Mais quelle arnaque! T'en compte pour que j'arrive à 95? Faudrait que je sois au moins à 15 d'intelligence, quoi. Alors que ma vigueur, en vrai, pue la merde. Objectif 20 de vigueur, parce qu'on se fout un peu de la gueule du monde, quand même.
Et maintenant, on peut explorer. Voilà, c'est parce qu'en fait, j'avais surtout peur de ça. Maintenant, on peut explorer et puis on peut aller voir. Fils de chien. Ah oui, mais comme j'ai pas mon truc bestial, là, je peux pas faire le sort de soin. Ouais. C'est là genre, mais attends, il est où mon marteau? Et là, on explore le haut de la map pour aucune raison réelle. Hein. Mais en même temps, comme on joue depuis le début du jeu. Hein. Ouais, mais Oiko, regarde, j'ai besoin de 95 PC pour augmenter le gars. Ça m'en donne 3 par level. Avant d'arriver à 95, il faudrait que je sois au moins à 15, voire 20, voire 25 d'esprit. Quoi. C'est pas l'objectif. Hein. Vraiment pas. Hein. Là, j'ai pas la foi de mettre 10 levels rien dans l'esprit alors qu'on est. On est pas forcément le mauvais type quoi. Oh. J'ai d'autres priorités dans la vie quoi. Je sais pas comment tu les vises sans loquer. Hein. Il y a des gens qui font ça apparemment. Bien évidemment. S'il y a un sort que j'aurais pu utiliser, justement mon sort de PV qui remonte, j'avais besoin de 2 de plus d'intelligence. Pour de foi pour l'utiliser. Quoi. Mais je peux aussi mettre, si j'en ai vraiment besoin, je peux mettre un pendentif. Quoi. Mais en fait, le truc est pas beaucoup mieux que. Alors, c'est quand même mieux d'arriver de ce côté-là. Mais le sort est pas beaucoup mieux que mon. En fait, ça la stagger pas, ça me rend zinzin, quoi. Genre, c'est injuste. C'est un putain de coup de marteau géant dans sa gueule. Elle s'en fout. Elle m'attaque quand même. On est à 50 heures, les amis. Il est 2h30 du matin. Ça fait. Ça doit faire 6 heures là qu'on stream pour. Qu'on stream pour Handicap International. On est à 3000 euros de dons, c'est fantastique. Il y a eu un très très gros don quand même. Hein. Faut quand même rendre à César qui était à César. C'est quelqu'un qui était particulièrement beau gosse ce soir. Mais bon, tous les petits dons comptent. Vous êtes tous des héros. Putain, mais. Des fois, la distance, j'ai l'impression qu'elle me troll, quoi. Putain, on va passer 100 ans à se soigner, quoi. Il pourrait être pire, hein, ce sort. C'est vrai qu'il y a eu un 400 euros. Et peut-être qu'il va falloir. Putain, mais j'ai même pas Minos ici, quoi. Qu'est-ce que ça cache, ça? Je veux au moins le truc. Ah ouais, serment doré comme ça. Ah, mais j'ai pas le droit à un premier backstab, quoi. C'est ridicule. Et toi, t'as stamina infinie.
Moi, il n'y a pas 12 000 chiens. Oh putain. Cette stamina infinie! Je cancelle ses attaques, quoi. Oui, ça la unlock, quoi. Alors, suivant le timing, elle est obligée de se le prendre, quoi. Va dans le feu, grosse conne. Putain! Et t'as vu ce pathfinding totalement craqué, quoi? Ok, tu prends cette attaque nature, tu prends cette attaque nature, très bien. Elden Ring, c'est un peu le Dark Souls des open world. Merci Emrika pour cette info cruciale et merci surtout pour ton don à Handicap International. Vous êtes des héros, c'est hashtag Battle4 tout le week-end. Déjà plus de 100 000 euros chez les copains et ils sont peut-être même à 200 000 euros parce qu'ils ont vraiment tout baisé au top départ. Il y a peu de chances que je continue. Je crois que Battle4 sera terminé dimanche soir. Donc quand je reprendrai streamer, ce sera trop tard. Mais on va streamer un maximum. Ils sont à 260 000. Ah, oh là 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 là. Et nous, on est petits zizi là, dans cette histoire. Oh, les comptes, comment on est minuscules. Ça me dégoûte. Ah si si, parce que même les boss arrivent à se stagger, mais plus vite que ce connard en PVP, quoi. Enfin, ce faux PVP. C'est quand même terrible. Mais mon L2 lui fait très très mal. Plus mal que mon attaque chargée, mais mon attaque chargée est plus safe puisqu'elle est à distance. Ce serait quand même triste de perdre la bubule là-dessus. Et c'est énorme. Merci Brooke Morningstar pour l'abonnement offert à Hanslow. C'est qu'ils ont pas une vraie IA, ces mecs-là, quoi. C'est vraiment super frustrant, quoi. Là, genre, j'ai pas le droit à mon backstab gratuit, quoi. Genre t'as esquivé ça, quoi. Genre t'es Miss Just Frame, quoi. Oh! A trouvé le coup qui la stagger un petit peu, quoi. Là, meurs, sale grosse pute!
Alors, son couteau de boucher a l'air assez violent. Il fait des dégâts sacrés. Il le scale en foie. Et là, le cri barbare. Putain, c'est de la merde. On fait même pas la même attaque qu'elle. Ah, c'est tout. Ici, on y est allé au péril de notre life. Hein. Remonter. Genre... Est-ce que tu gagnes au jeu vidéo? Are you winning, son? Oui, Koak, tout se passe bien. Merci beaucoup. Non, mais on va pas se le taper à chaque fois. La main qui pue, non. Mais voilà, c'est bien. Oublie-moi. Les pics de jeu sont... Enfin... un degré de perfectionnisme jamais atteint, sauf les caméras, les hitbox bien sûr, hein. Ça pour ça, putain, vous m'avez bait, enculé, le jeu pourri. Ah, les araignées mains, elles sont horribles. Franchement, c'est vraiment un cauchemar. Et pourtant, les pavous sont les pires enfants de putain de la terre. Là, en fait, je pense que je me suis je pense que je me suis enfui la plus vite. Oh putain, il y a des grosses mains partout. En fait, le côté janky, un petit peu mal dégrossi du jeu est assumé et fait partie de l'ADN des Souls pour de vrai, en fait, quoi. Parce qu'en fait, ils enlèveraient les caméras, les gens reconnaîtraient plus le jeu, quoi. Un jeu en pancho. Yena en pancho. TP est toujours craqué. Hein. On n'est pas pressé hein, sur l'exploration. Hein. On a que ce pendentif pour nous soigner. On a un petit sort de soins rigolo, quoi. Mais pas trop. Trapière et craque. Oh, il me gueule dessus, ça me tue quoi. Oh putain, enfoiré. Non, on se soigne avec. On soigne avec de l'estus bleu quoi, mais. Il n'y a pas de soin là. Je peux sauvegarder à l'intérieur, on a gagné. Vite! Bon, de quoi sauvegarder? Oh, wow, ce château à la Dracula, les couleurs, elles sont trop classe. J'ose même pas imaginer ce que ça donne à... En fait, je suis déjà pressé d'Elden Ring 2. Même si bah, il risque de sortir dans 5 ans ou dans 3 ans, donc en 2025, avec de la chance, et qui serait full next-gen. Mais d'ici là, il y aura clairement
Il sera aussi en 8K, 30 FPS, comme on le disait, sur PS4 Pro, PS5 Pro Pro. Je sais pas où je suis. Hein. Par contre, là, ça a l'air de... Oh oui. Cercle d'Elden. Elden Ring. Ah, elle est là, Geneviève.